pressé et enrubanné simultanément sans s'arrêter, tel est le défi que doit relever le Fastbell. Annoncé pour la première fois lors du CIMA 2015, le combiné presse enrubaneuse non-stop de Vicon est désormais disponible à la vente. C'est l'occasion d'aller le retrouver sur une exploitation laitière près de Rambouillet dans les Yvelines, et même si les conditions ce jour-là n'étaient pas optimales, de constater son débit de chantier. Fini les pauses et excuses bonnes ou mauvaises, avec le Fastbell, on ne s'arrête plus. Annoncé pour un débit maximal de 100 à 110 balles pressées et enrubanées par heure dans de très bonnes conditions, cet appareil destiné aux Kuma et entrepreneurs est facturé 35% plus cher qu'un combiné classique. Donc en effet, pas le temps de chômer pour être compétitif et productif. Atteindre un tel débit nécessite de bonnes conditions, ce qui ne fut pas le cas le jour de notre essai. Après plusieurs averses, la luzerne récoltée s'est avérée bien trop humide pour atteindre l'optimum. Le Fastbell est une presse de type chambre fixe à rouleau capable de confectionner des balles de 1m25. Il emploie deux chambres. Pour démarrer le pressage de la première balle, c'est la chambre principale qui démarre le processus. Et une fois que celle-ci est terminée, le liage se lance sans s'arrêter pendant que le flux de fourrage est dévié vers la préchambre à l'avant. Cette dernière constitue l'équivalent des deux tiers de la chambre principale. Cela permet donc de lier la première balle dans la chambre principale et de transférer ensuite sur l'enrubaneuse pendant qu'une seconde est en préparation. Quand la préchambre est pleine, le fourrage est dévié dans la chambre principale ainsi que la pré-balle. Ensuite, la balle continue d'être formée jusqu'à la densité voulue pour être liée, puis enrubanée, et ainsi de suite. L'enrubaneuse double satellite est l'autre atout de cette machine. Repliable à la verticale sur route, elle se déploie au travail en porte-à-faux de la presse et travaille près du sol pour gagner du temps au déchargement et préserver le film des balles lorsqu'elles sont déchargées. Son châssis entoure la balle et évite tout problème de perte de balle, même en pente. Elle tourne à un rythme de 50 tours par minute maximale et une fois l'enrubanage effectué, le déchargement de la balle se fait en repliant le rouleau arrière. Pas de place aux pannes et temps mort, le Fastbell est conçu pour durer et travailler de longues journées. Il intègre une transmission renforcée et est entraîné à 1000 tours minute. Doté de chaînes renforcées pour les chambres, voire doublées pour les rotors, les rouleaux sont montés sur des roulements de 50 mm de diamètre avec double rangée de rouleaux côté entraînement. Point de vue pratique, un élévateur hydraulique situé sur le côté sert à la fois pour monter le rouleau de filet au-dessus de la chambre principale, mais aussi pour en stocker un autre. Là, avec l'élévateur, hop, je vais amener mon filet à hauteur. Et de l'autre côté, jusqu'à 8 rouleaux de film sont stockés en plus des deux montés sur les satellites. Le Fastbell est assez simple à utiliser, d'autant qu'il emploie l'écran tactile couleur Telus Pro du groupe Kubotak Verneland. Des caméras permettent en outre de superviser les opérations assez confortablement. Même si ce combiné à chambre fixe est assez compact, il en impose et pèse tout de même près de 7,5 tonnes. Il est recommandé d'employer un tracteur de 200 chevaux, mais dans le cadre de notre essai, un Kubota M7 4 cylindres de 170 chevaux suffisait dans une parcelle relativement plane. Effectivement, tout dépendra du relief de votre parcellaire.